Madame Estella, la présidente, est force vive dans Montagne Blanche. Elle fait tout pour améliorer les conditions de la vie des habitants. Elle garde une amitié extraordinaire avec tout le monde dans la société. Par sa persévérance et courage, de tout dans son entourage considère-t-elle comme la fierté créole. Malgré les yeux et une grande réputation dans la société, Estella peut faire face à un problème monstre dans sa propre case. Estella les vive avec ce garçon, Jordan Amoris. Par contre, Sotifi Patricia y travaille à Canada. Plusieurs fois, Patricia fin insister pour que Jordan vienne établir dans Canada. Mais Jordan fin refuse ceci catégoriquement parce qu'il y compte en ce pays Maurice et surtout la culture créole qui prévaloir à Maurice. Jordan, arrête de faire comme un enfant et écoute-moi bien. Culture ou langage créole n'est pas rempli vente ça. Getazo dit que c'est elle qui possède ce lacas, ce le tout, et il travaille dans une bonne poste. Monsieur, Enzo, moi ici, je suis dans mon lacas. Mon le tout, et c'est tout un travail dans mon joli tisil, Maurice. Un bon travail, même tu pas pour gagner à Maurice. Qui le tout lacas te peut causer? Je fin faire application pour infirmier dans fonction publique. Dans 2-3 jours pour faire retraitement. Comme ça, tu sais qui te pour gagner un travail infirmier là? Moi pas sûr, mais moi j'ai l'espoir. À nous faire un compromis. Si arrivé tu gagnes ce travail infirmier là, jamais moi pour demander toi venir établir en Canada. Mais si tu pas gagnes ce travail là, promets-moi te pour obliger venir au Canada. Patricia, je connais qui sont aussi pauvres financiers. Je ne suis pas capable de faire mon étude. Pour ça, je dois à toi beaucoup et que je accepte tes conditions. Jordan, je fais toi confiance. Et je connais que tu n'as pas se promettre sans verre te serre. Patricia, je garde mon promesse. Parole donnée, parole sacrée. Ok Jordan, me laisse-toi. À bientôt. Allez, correct Patricia. Un pareil avec Patricia, tu fais une grande folie mon garçon. Je connais moi, mais mon père dans l'autre soir. À nous guette devant, qui des Stéphine réservé. Madame Président, qui fait vous figuer sec comme ça? Non, pas aucun problème. Tout correct là. Tout le temps, vous restez en gai, mais à l'audio, vous êtes stress. Motivé Patricia. Il fait une condition avec Jordan. Comme quoi, si mon garçon n'a pas gagné un travail dans la fonction publique comme infirmier, mon garçon, bizarre à l'établir quand tu se sers en Canada. 3 jours de cela, ce camarade ne se nie. Allô, Jordan, tu as gagné un pour infirmier? Non, qui fait? Il finit comment gagner sa manette là? Oui, Jordan, mon frère finit gagner ce lettre avant hier. Fin prend 10 infirmiers. Et capable de parler là-dedans. Oui, capable de parler là-dedans. Sinon, mon petit bisou finit de gagner mon lit là. Depuis 3 jours de cela, mon garçon,
peux ni boire, ni manger, ni dormir. Ni peux ni qu'un la joie dans sa figure. Jordan, mon garçon, il est bien content qu'il tire et que l'engage nous paye. Circonstances, nous familles, éloignons nous qu'il tire. Madame Estella? Oui, mon père vini là. Madame Estella, il y a une bonne nouvelle pour Gosso Jordan. Il y a une lettre enregistrée pour Jordan depuis PSC. Ça lettre là, pas supposé venir trois jours avant ça? Par erreur, ça lettre là finale montagne longue au lieu de vivre montagne blanche. Félicitations, madame. Au revoir. Jordan! Jordan! Qui n'est arrivé, moi? Jordan, tu as gagné ton travail infirmier. Prends ton destin dans tout la même garçon. Oui, moi. Mon récit gagne mon travail.